Yoshmina, c'est Digunice et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est pour, comme vous l'avez vu dans le titre, une sorte d'arnaque concernant les cartes Miracle Battle Cardass MBZ Dragon Ball C01 que j'ai acheté sur Amazon. Je vais tout vous expliquer pourquoi c'est de l'arnaque et pourquoi il ne faut pas les acheter et qu'est-ce que je vais faire avec cette boîte. Donc, d'abord concernant l'annonce, ce sont les cartes donc Miracle Battle Cardass Dragon Ball Kai Sparking Pack DBC01 Box Japan Import sur Amazon. L'annonce, je vais vous la mettre. Le jeu, pardon, les cartes, la boîte coûte 13,60€ à peu près. Il n'y a pas de frais d'envoi, donc moi je les ai reçus en 2 semaines. Je sais pas si c'est de la faute du vendeur ou si c'est comme ça, mais dans cette boîte, dans chaque paquet, ce sont toutes les mêmes cartes. Dans chaque paquet, on a toute la collection, il n'y a que 12 cartes en fait. Et donc je me dis, mais à quoi ça sert d'acheter une boîte alors que dans un paquet, tu as toute ta collection. Je vais vous présenter les cartes. J'ai ouvert deux paquets, il y en a 12. J'ai ouvert deux paquets, je vais un peu reculer tout ça. Voilà, c'est un peu bizarre. Donc, c'est la une, donc Tenshin Han, je crois. Même pas, non, je sais même plus comment il s'appelle. Voilà, ça c'est Tenshin Han. Enfin, je lui connais pas trop, hein, mais bon, Krillin, ça qui connaît pas en double, bien sûr. Shin Shin ou un truc comme ça. Ça doit être Sangohan, Sangoten. Je dirais Vegeta. Voilà, je voulais monter à peu près un Piccolo. Piccolo. Ouais, Piccolo. Ça, c'est Vegeta, je crois. Ça, c'est Son Goku. Ça, c'est quand il fait le Genkidama. Ça, c'est un peu tout le monde. Et Shenron. Voilà, c'est ça la collection. Donc, tout ce que je viens de vous montrer là, c'est toute la collection de cartes de cette série. Donc vous pouvez faire la collection en un booster et déjà là j'ai 2 fois chaque carte. Donc bon, je vais vous ouvrir la boîte pour vous montrer. Je vais mettre les cartes sur le côté. Donc j'ai déjà ouvert, hein, bien sûr. J'avais voulu vous faire une vidéo, mais bon, à quoi ça sert? Bon, est-ce que tu veux bien? Voilà, 4 ans. Donc, il y a les Miracle Battle Cardass dedans, je vous montre. Je vous montre, je vais tout. Ouais, je vais en sortir que 5, il y en a 10. Donc, les boosters sont assez épais, puisqu'il y a 12 cartes dedans. J'ai 10 boosters que je vais sortir alors. Et je vais en ouvrir un devant vous pour vous montrer que c'est de l'arnaque en gros. Voilà. Et les 9 autres seront à gagner pour le concours des. J'avais mis 3500, mais ça va être 2000 ou 2500 parce que ça va jamais avancer autant. Donc il y a 10 boosters à vous faire gagner. 9, pardon, 9, parce que je vais en ouvrir un devant vous pour vous montrer tellement que c'est couillé cette merde. Mais bon, je vais pas offrir les 9 à quelqu'un, à une seule personne. C'est un peu bête, je crois que je vais en offrir deux par personne. Ou un par personne, on verra. Parce que bon, les frais d'envoi, ça coûte cher. Donc c'est très épais. Et là, il n'y a que 12 cartes. On voit, mais il y a 3 trucs rouges. Et je me dis, est-ce que c'est pas des cartes super rares en fait? Donc bon, on va ouvrir ce booster et on verra. Vous allez voir que c'est vraiment de la pure arnaque. C'est juste pour nous inciter à acheter. Voilà, donc j'ai ouvert le booster. Il y a ça. Un papier. Donc voilà, c'est les mêmes cartes. Vous pouvez voir. Krillin. Lui. Voilà. Genkidama, tous ensemble. Et Shenron. Donc vous voyez que c'est exactement toutes les mêmes cartes. Mais bon. Donc maintenant, bon, je les ai en triple. Et c'est vraiment chiant d'avoir les mêmes cartes. C'est vrai que c'est cool parce qu'on peut compléter la série, mais je paye ça 13 euros. C'est peut-être pas cher, mais je voulais quand même pouvoir. Je vais juste ranger les cartes. Hein.
Vous me pardonnez, j'ai mis qui? Ouais, bah, j'en ai trois fois maintenant. Je voulais compléter la série, donc c'est un peu maintenant. Bon, enfin, je voulais ouvrir les packs et pouvoir être content de ce que j'ai. J'ai fait tomber une carte. Super. Être content de ce que j'ai, peut-être pas avoir toute la collection, mais là, avoir tout en un booster, c'est relou, c'est chiant. Ça sert à rien parce que pourquoi tu fais une box alors si toutes les mêmes cartes c'est les mêmes? Faut être un peu bête. Je sais pas si c'est peut-être le vendeur ou si toutes les box sont comme ça. Donc voilà, je vous conseille de pas acheter sauf si vous voulez avoir 12 paquets les mêmes. Le 12 cartes, ouais, ils aiment bien le chiffre 12 pour à peu près 12 euros parce que c'est 13 euros donc c'est à peu près ça. Et voilà, je pourrais même tirer une carte devant vous parce que ça m'écœure en fait. Mais bon, je peux pas déchirer des cartes comme ça. Ça servira à rien. Donc bon. C'est chiant. J'ai rien à dire d'autre. Vous dire aussi qu'il y a eu quelques lots que je vais faire gagner, que je vous avais déjà dit, mais là j'ai d'autres lots importants à vous faire gagner. Je termine juste ça. Je crois que j'ai fait tomber Shenron aussi. Parce que je ne trouve pas de Shenron. Ah, il est là, c'est bon. Bref, tac, tac, tac. Voilà. Donc, je vais pas tout ouvrir, les paquets, ça ne servira à rien. Donc, pour gagner ces boosters, ce sera dans le concours. Il y aura une vidéo spéciale que je vais tourner juste après avec les lots, mais pas tous, parce que bon, 3000, 2500 abonnés, voilà. Donc, ça passera pas tout de suite. Donc, j'ai beaucoup de lots. Bah, déjà, il y a les 9 boosters, il y a tout ça. Je crois que je vais quand même en garder un scellé. Donc ouais, il y en aura 8, je trouve que c'est bien par deux et j'en garderai un. De toute façon, bon, c'est toutes les mêmes cartes, mais peut-être plus tard ça va prendre de l'ampleur, parce qu'en plus Miracle Battle le Cardass. Donc voilà, il y aura déjà ça à gagner. 8 boosters pour vous. Il y a ce papier avec les cartes. Et ça je le garde pour moi. Je le mets dans un album. Pour une complice. Merci télé qui vient de s'éteindre, je sais pas si vous avez vu. Donc pour gagner, je vais déménager bientôt, donc je serai pas actif pendant quelques temps. Je ne sais pas encore où je vais déménager, on verra bien ça. Et aussi oui, il y aura plus de lots à gagner. Du courant, dès que j'aurai fini de déménager, j'aurai beaucoup de lots. Mais bon, je vais devoir tout faire venir du Japon. Je sais pas combien je vais payer, mais peut-être il y aura beaucoup de choses à moi qui vais vous donner déjà. J'ai oui, je vais vous montrer ça en même temps parce que j'ai terminé d'ouvrir les boosters Inazuma. La vidéo n'est même pas encore sortie. Je vais quand même mettre celle-là avant. Donc, ce sont les j'ai reçu également des boosters Inazuma 11. J'en ai ouvert que 10 sur les 24. Ou oh, non, 4. 12 sur les 24, non 10 sur les 24, et les autres, les 14 autres, je les ai ouverts moi-même, et il y en a deux, donc déjà vous aurez ça à gagner. Donc, 12. Oh là 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 là, vous aurez deux boosters Inazuma, Eleven Go, Trading Card Game, Yogo 1 à gagner, donc il y a beaucoup de choses à gagner. Donc je vous montre la boîte qui est totalement vide, et je vous montre ce que j'ai eu, il y en a encore en bas, ce que j'ai dans la vidéo est en bas, mais donc je ne vais pas vous les montrer pour le suspense. J'ai eu comme carte intéressante ces deux-là. Ça, c'est des cartes. On a que 4 par boîte, je crois. Et la boîte, je l'ai payée 14 euros. Voilà. Donc, c'est vraiment juste pas cher. Donc, peut-être ma Arion en carte brillante. Enfin, brillante en or, quoi. Très très belle carte. Et celui avec Kessel Ancelotto en brillant. Pas un truc quoi. Donc voilà, je suis pas chez moi actuellement dans mon appartement d'habitude, mais j'ai mis à peu près ça c'est la table que j'avais dans mon appartement tout court, j'ai mis ici. Donc vous pouvez voir c'est à peu près pareil, donc c'est pas du tout le même appartement. Je vous dis je suis chez ma grand-mère. Donc voilà. Donc ces cartes-là je les fais pas gagner sauf les doubles. Les doubles je vais vous les faire gagner. Et même chose pour voilà il n'y a pas de double donc non. Mais pour les doubles Inazuma, je pense vous faire gagner ça.
Il y a le jeu Cocoto que je vous ai dit que je ferais gagner. Je vais peut-être en ramener d'autres pour vous les faire gagner. Il y a un jeu de 3DS qui est pas très connu, mais même pas du tout. Mais bon, je m'en sers pas, donc je préfère vous les donner que les jeter parce qu'ils se vendent pas. Enfin, ils peuvent se vendre, mais j'ai pas envie d'en tirer 10 euros. Et des figurines Dragon Ball. Enfin, il y a énormément de trucs. Mais il y aura plus de lots, mais je vais quand même vous présenter déjà la moitié des lots qui seront à gagner dans la prochaine vidéo. Donc c'était Digonage, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout ne pas acheter ça. Donc c'était Digonage, je vous dis salut, moi j'en ai pas, je suis un de vous. Ciao les gars!